Salut, salut famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien maintenant. Je vais vraiment super bien. Donc, je viens juste passer cette vidéo d'abord, m'excuser pour mon absence. C'est parce que je me sentais pas bien et puis j'avais vraiment, vraiment, vraiment des petits bobos que je devais régler. C'est ce qui a expliqué un peu cette absence-là. Voilà, on va dire quoi? Près d'une semaine? Ouais, près d'une semaine maintenant. Donc, veuillez vraiment m'excuser. Sachez que je suis encore là, debout, je vais bien. Dieu fait grâce, je vais bien. En tout cas, la maladie est passée. J'ai pu régler ces petits bobos-là. Et maintenant, je viens dans cette vidéo vous dire que je suis là. Voilà, je suis là. Et on continue ce qu'on a commencé. Bref, qu'est-ce qu'on dit sur la toile? Bon, actuellement, le buzz, actuellement, c'est le truc, la sextape de Tia Vuitton. Et puis la fille d'Alassane, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, apparemment, je sais pas. On dirait que notre DJ Rafat est encore mêlé. J'espère bien qu'il n'est pas encore mêlé parce que j'ai vu une de ses vidéos là où il est toujours en train de faire comme s'il n'avait pas de problème. Franchement, je me demande bien ce que ses conseils lui disent quoi. Je me demande bien ce que ses conseils lui disent. Quand je parle de ses conseils, je parle de ses avocats. Tu peux pas avoir un sérieux problème comme ça à la justice et puis. Tu viens sur les réseaux sociaux comme si, bon, à la limite, on s'en fout, quoi. Je gère, en fait. Oh, au fond, on connaît tous l'histoire. On sait que c'est un peu mal barré actuellement pour notre DJ Rafat. Normalement, j'ai demandé silence pour lui, même si c'est pas mon artiste, qu'il est l'ennemi numéro 1 musical de mon artiste de Bordeaux. C'est pas pour autant, s'il est dans les difficultés, je vais pas l'aider ou bien je vais pas lui donner des conseils. Donc, famille. Cette petite vidéo là, c'est d'abord pour me prononcer d'entrée de jeu sur ce débat là. J'espère bien qu'il va se régler. Quand je parle de se régler, je parle de ce problème là. Parce que je pense bien que Tia Vuitton parle de porter plainte encore. Voilà, parce que soi-disant, il pense que c'est DJ Rafat qui est la base de tout ça. Bon, on va s'arrêter là. Je ferai une autre vidéo où je vais tout vous éclaircir. Voilà, merci bien.